Bonjour, c'est Sophie Gamelin-Lavoie du site Projet de naissance. Je voulais aujourd'hui vous parler des personnes qui sont mécontentes de leur accouchement. Moi, j'ai quand même un projet, c'est de faire en sorte que les femmes soient contentes de leur accouchement, que ce soit un très bon souvenir, même si ça ne s'est pas passé comme elles le voulaient au départ. Et je me disais en lisant sur les forums, moi, on m'a fait ça pour mon accouchement, moi, j'ai vécu ça. Souvent, c'est un déclenchement, c'est demander à la femme de se mettre dans telle position alors qu'elle ne le veut pas ou qu'elle ne le sent pas. On a fait ça à mon bébé, on me l'a pris trop vite, on m'a dit le sexe de mon enfant, je voulais pas le savoir, je voulais le découvrir par moi-même. Enfin, il y a toute une liste qui est assez gigantesque et gigantesque. Et je me disais, mais pourquoi les femmes se laissent faire en fait? C'est ça, pourquoi les femmes se laissent faire? C'est-à-dire parce que d'abord on peut dire non, on peut faire en sorte que les choses soient différentes. En fait, on crée notre propre réalité. Et dès lors qu'on a conscience qu'on crée sa propre réalité, si on a les moyens aussi de se faire entendre, et si on sait qu'on peut se faire entendre, qu'on a des droits, à ce moment-là, on peut créer une réalité différente. Donc, pourquoi pas? Mais pourquoi pas et pourquoi pas, ce serait vraiment grandiose si vraiment plein de femmes osaient. Donc moi, je vous encourage à une chose, c'est oser. Voilà, oser dire non, oser vous affirmer, oser créer votre réalité et aussi prendre conscience que vous êtes partie prenante de la relation que vous créez avec les autres, mais donc le personnel médical, les personnes qui vont être proches de vous. Pendant votre accouchement et vous accompagner après. Donc du coup, avoir conscience de ça, c'est se dire aussi, oui, tel accouchement ou telle naissance, ou pour mon premier ou mon troisième, etc., ça ne s'est pas passé comme je le voulais, mais j'ai été partie prenante de ce qui s'est passé. Ou j'ai laissé faire quelque chose, ou j'ai pas dit non à quelque chose. Et à ce moment-là, on retrouve une force aussi pour soi-même. Parce que sinon, on est victime, on reste victime et on n'avance à rien. On reste sur quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait. Mais et alors? En rester là, ça ne va pas être constructif pour l'avenir. Donc prendre conscience qu'on est aussi partie prenante d'une relation, ça va permettre de grandir pour soi-même, mais aussi pour la prochaine fois de faire autrement, si toutefois on a d'autres grossesses après, d'autres accouchements et si on accueille d'autres enfants. Donc voilà, c'est un peu le premier message pour la première vidéo et sans montage, sans rien, comme ça, à l'arrache. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao!